le sujet, il est simple. Il n'y a pas d'entreprise qui ne cherche pas des clients. Donc en réalité, si à un moment donné, on s'arrête de montrer le potentiel, la transformation de la ville, tout ce qui s'y passe, toutes les choses positives, toute la dynamique et tout ce qui a été réalisé, tout ce qui est encore réalisé au quotidien et qui change, qui transforme la ville, eh bien, on n'ira pas chercher de nouveaux clients. Et donc, comme on a une ambition, c'est faire grandir notre territoire, faire de ce territoire un champion, notre idée, elle est simple. On a nos clients, on les reçoit, on les accueille, on fait voir ce qu'il y a de nouveau, et puis on va chercher des nouveaux clients. Et donc, l'intérêt, c'est ça. Ça ne s'arrête jamais, on en veut toujours plus. On est humble mais déterminé. Donc ce qu'on veut aujourd'hui, c'est montrer notre capacité à savoir faire les choses, à faire les choses, à rassembler énormément de monde dans les rues, 200, 300 000 personnes. Donc ça, c'est la force de Marseille. Et aujourd'hui, avec le patrimoine culturel que nous avons, avec le patrimoine naturel, ça explose aujourd'hui. On a l'impression que c'est une truffe qui est restée longtemps dans un bocal et tout d'un coup, elle anime les papilles et elle explose. C'est ça, Marseille. Le Marseillais accueille aujourd'hui le visiteur et il est fier. Et il est devenu l'ambassadeur de sa ville et je crois que c'est une des choses très importantes. Vous savez, moi je suis arrivée à Marseille il y a 18 ans. Au bout de 18 ans, il n'y a pas eu une minute où je l'ai regretté. Il n'y a pas eu une minute où je me suis sentie en danger. Il n'y a pas eu une minute où je me suis dit « Waouh, quelle chance j'ai de vivre ici ». Pas eu une minute où j'étais blasée de ce que je voyais, la mer, les gens. Il y a une chaleur à Marseille. Marseille, il y a une joie de vivre. Il y a ce qu'on appelle cette bonhomie des gens du Sud. Elle est réelle.